Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur mon let's play Pharaon Cléopatra. Alors, une attaque des Libyens qui s'est plutôt bien passée, ça a géré. Là, il y a eu la récolte. Je serais tenté de replier ça aux trois quarts. Il m'en faut combien là? J'ai pas regardé. Il m'en faut 1200. Il n'y a quasiment pas eu de récolte encore cette année, j'ai l'impression. Ah si, peut-être. Bon, en tout cas, ma population là va bien augmenter. Et j'ai pas de poterie parce que j'ai pas d'industrie. Alors ce que je pourrais faire, la même chose que la dernière fois, c'est détruire beaucoup de mes camps là. Voilà, je vais peut-être en laisser un au cas où il voudrait travailler, même si ça m'étonnerait. Parce que là, je peux rien fournir. Et ça, ça va coûter cher au Kingdom Rating. Et j'ai un sacré déficit, hein. On dirait pas comme ça, mais... Le déficit s'accumule. Donc là, c'est la poterie qui me manque. Ouais, puisque personne ne travaille, forcément. Je pense que ma population peut quand même monter encore. Speed. J'ai l'impression qu'elle est un peu à son maximum là. Sans plus de d'habitation, je vais avoir du mal. Je vais mettre Military un peu derrière. Ouais, ça change pas grand chose. Ce que je peux faire au pire, c'est acheter, acheter de la poterie d'habitude. Je peux en acheter jusqu'à 1000. Pareil pour la bière peut-être. Dans la bière j'ai un stock. Ah, j'ai besoin de la poterie absolument. J'espère que ça va relancer ma... Ouais, évidemment ils sont pas contents. J'ai l'impression que la population est repartie. Ouais. 4000. Qu'est-ce qu'il leur manque maintenant? De la bière. Mais ça, de la bière, a priori, il y en a. Ouais, 4100, ça suffit toujours pas là? Ah, toujours pas. Honnêtement, de la bière, il devrait en avoir. Je vais peut-être en acheter un petit peu plus, du coup. Étant donné que j'ai quand même pas mal de nouveaux quartiers. Ouais, c'est vraiment la bière qui manque, là. Ouais, ce que je peux faire, c'est... rajouter une maison ou deux. Ah, ok, là, c'est 4500. Vraiment, on commence à... Ah, ça va être bon. Alors, je vais arrêter d'acheter de la poterie. Je vais continuer à exporter. Je vais en garder 500 en stock. 1000, pardon. Le bois, c'est pareil. Je vais en garder 1000 en stock. C'est ça, hein. 700. Et je pense qu'on va bientôt se relancer dans la pyramide, ouais.
Mon Kingdom Rating a dû bien souffrir là, oui. Ça fait deux fois que. Deux missions que je loupe. En général, ça pardonne pas. Bon, mais le fait est que la pyramide, elle, elle avance. Ouais, il y aura juste un petit problème de Kingdom Rating, mais ça, ce sera résolu. C'est bon pour les travailleurs là? Toujours pas, hein, il m'en manque 68. Hein. En tout cas, pour la pierre, c'est bien reparti. En fait, le nombre de pierres apportées n'a pas l'air de dépendre du nombre de work camp, hein, puisque là, je les ai quasiment tous détruits et j'ai l'impression que ça va tout aussi vite. Donc, comme ça répond à ma question. Et là, j'ai encore du stock de pierre parce que je trouve que ça. Ah oui, j'ai. J'ai du stock de pierre, ça c'est clair. Du coup, est-ce que j'aurais pas intérêt. Non, là je suis bien. Bon, je pense que maintenant plus rien ne va l'empêcher de gagner. J'ai plus de chômage, la pyramide est quasiment finie. Ce sera enfin, après de nombreuses difficultés, la fin de la construction de cette pyramide. Combien de blocs de pierre il manque? 250? 240? Je vais même peut-être pouvoir lui livrer ça. Ouais. Alors après, je pense qu'il faut remplir la pyramide. Ça, ce sera un autre sujet. On verra ce qu'il nous demandera. Je pourrais peut-être déjà le savoir. Non, je crois pas. Hein. Non. Il faut d'abord finir la pyramide avant de savoir ce qu'il va falloir mettre dedans. Alors, combien encore? 48 loads, ok. Ça avance bien. Les étages, évidemment, 1400 poteries, putain. Ça fait beaucoup, hein. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, ça. Hein. Ouais, ce sera peut-être fini avant, ceci dit. Le problème, c'est qu'ils mettent de plus en plus le temps à monter en haut de la pyramide, forcément. Ah, il y a eu une sacrée hausse des salaires là. Ça va me coûter bien cher. Ah, ok, un étage de plus. Ah, trop de messages inutiles. J'ai l'impression que j'ai plus de pierres, ou alors il y a moins de gens pour les porter, je sais pas, mais. Non, pour l'instant, tout est au maximum. Il y a beaucoup moins de gens qui montent, je sais pas pourquoi. Tiens, si, c'est parti. Ça m'a l'air d'être reparti. Hop, un étage de plus. Ok. Est-ce qu'on peut pas désactiver ça, quoi, sérieux? Non, on peut pas, a priori. Alors, il me faut combien de loads pour faire un étage? Là, j'en ai déjà eu un. Deux, trois, quatre, cinq. 6, 7, 8.
Alors là, ça fera 1, 2, 3, 4. Et merde, les Libyens qui me réattaquent. Ça, c'est bon. Ah non, je lui ai livré. Pourquoi il me dit que je lui ai pas livré? Ah oh, putain. Je suis peut-être livré trop tard. Bon. Ah, j'y suis presque à cette pyramide. Elle est immense, hein, c'est vrai. 1, 2. Plus que 10 loads, donc en fait c'est quasiment fini. 10 loads, parfois je les amène par 5 ou 6. Ah, je vais t'attaquer là. Je crois que je vais t'attaquer. De toute façon, je vais t'attaquer par là comme d'habitude. Allez, c'est parti. Pas trop de surprises à attendre de ce point de vue-là. Comme j'ai souvent dit, c'est vraiment la faiblesse du jeu, l'armée. Tout ce qui est militaire. C'est très très mal fait. Ok, c'est fini. C'est vraiment le côté du jeu le plus faible. Bon, combien de loads là encore? 7, sérieux? Normalement ça peut être réglé en une seule fois, ça parfois ça part tellement vite. Ils ont pas l'air très motivés là, ils sont un par un. Alors je pense aussi que quand il n'y a pas de crew, peut-être qu'ils travaillent plus. Non, j'ai pas l'impression. Non, je sais pas pourquoi maintenant ils travaillent un par un. C'est pas grave, on va y arriver. C'est juste un peu plus long. Surtout qu'après, il faut la remplir. Ah, voilà. En voilà deux. On est quasiment bon, là. Plus que deux. Celle-là, elle est immense, hein. C'est clairement la plus grosse qu'on ait construite. Et je pense qu'on construira encore plus gros. Ah, parfait. Alors maintenant, il doit falloir la remplir. Non. Non, en fait, il faut... Ah, pourquoi je suis pas... Pourquoi je suis pas à 39? Ça, je sens que je vais avoir une mauvaise surprise. Donc il faut quand même que j'augmente mon Kingdom Rating. De façon significative. Pourquoi je suis qu'à... Si, je suis à 39, c'est bon. Donc il n'y a plus que le Kingdom Rating. Peut-être qu'un autre cadeau direct dans la foulée. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Ah bah, ça aura été une mission difficile. Mais c'est fait. Alors, je vais passer au score. Ça m'a pris... 50 ans quand même. Je vais vous retrouver donc dans quelques secondes pour cette nouvelle mission. Alors, je vous retrouve pour la suite. Nous avons donc réussi cette mission, ça a été très dur. La prochaine va sans doute être encore plus dure. Honnêtement, je sais jamais trop quel choix faire. Edge of Pyramid, Buhaim, Taming the Nubians. Je pense que celle-là, il y aura pas mal de combats. Est-ce que c'est une bonne idée d'y aller? Ouais, pourquoi pas. Ça va changer un petit peu. Our new pharaoh Snofru is determined that this, the fourth dynasty, be remembered as the greatest ever to rule Egypt. Pharaoh wishes that our borders be pushed even further south. He has therefore decreed that we invade Nubia and establish a fortified city at Buhen, beside the second cataract of the Nile. There you must also erect
a granite obelisk to serve as a beacon that this area forever belongs to Egypt and to Pharaoh. There is no granite to be found so far south, however, so you will need to import it from Elephantine. At Buhen, you will encounter fierce and seasoned Nubian warriors who will fight to the death to prevent us from establishing a foothold so far south. Do not despair, for after vigorous training at a military academy, your fighting men may emerge as seasoned veterans themselves. What's more, our military engineers have perfected the design of several defensive structures, such as fortified towers, walls, and gatehouses. These will prove invaluable in withstanding the onslaught of the Nubian army. Transport ships may also be employed to aid in moving your army around by water when necessary. To the north, we have opened relations with Enkomi on the island of Cyprus. This land is named for its abundant reserves of copper ore, which we are now able to purchase from them. However, thanks to a recently established Egyptian mining community at Serabet Kadim in the land of Sinai, we are able to supply our governors with copper at a much more affordable price. Supplies from Serabet Kadim are often erratic due to unrelenting Bedouin and Canaanite attacks against the settlement, and we are uncertain how much longer the Egyptian forces stationed there can hold out. Pharaoh's burial place, a unique and spectacular monument, is currently under construction at Dahshur. From time to time, Pharaoh may request that you contribute some limestone to aid in the completion of this project. Ok, donc c'est parti. A priori, il va y avoir pas mal de nouveaux bâtiments militaires, par exemple. Sur cette carte qui est quand même un petit peu particulière, elle est coupée en deux. Donc ça, ça promet déjà. Et elle est relativement petite, en fait. Du coup, je sais pas où je vais m'installer. Je serais tenté de m'installer là. De faire un camp de chasse ici. Ça va un peu s'imposer, je crois. J'ai accès à la chasse ou pas? Ouais. Remarque, je peux faire de la nourriture ici. Donc là, j'ai de l'or. J'en ai là aussi. D'accord. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par détruire cette route. Je sais pas trop. Bon, je vais faire une petite pause de temps de réfléchir et je vous retrouve. Voilà, je vous retrouve. Je pense que je vais bel et bien m'installer plutôt sur cette partie de la carte. L'autre côté me paraît vraiment trop petit. Donc ça va me poser rapidement des problèmes. Honnêtement, toute la région est très serrée là. Je sais pas si... on va pas avoir quelques difficultés à s'installer. Et surtout, je sais pas combien de quartiers de ce genre-là je pourrais faire avant de manquer de place. Alors, ça c'est bon. Parce que là, on est serré, hein, j'arrive vraiment au bout. Ok. Alors, on va mettre, comme d'habitude, le pavillon ici. Alors, cette fois, on va construire un obélisque. Hop, là, je vais mettre housing ici. Ça, je vais mettre ça là ou là, peu importe. Je vais aussi mettre le bouffe ici. Je vais quand même mettre une route qui va là. Pareil ici. Ok. Il va falloir que je fasse au plus économique, hein. Vraiment le minimum de bâtiments. Parce que ça manque de place.
faire le dentiste tout de suite. Il n'y a que deux dieux, donc ça déjà, ça fait ça déjà d'économiser, je serais tenté de dire, en termes de place. Par rapport à l'épisode précédent où il y en avait 3. Ok. Alors, il va me falloir Courthouse. Et merde, je peux pas. Et là, je peux. Du coup, je vais déplacer un peu la route. On va être super serré dans cette région. Je sens que je vais souffrir. Hein. Tax collector. Ah, j'ai pas le palace. Alors, je vais installer le palace un peu différemment. En fait, l'or est ici. Donc, faut mieux que je mette le palace. Je le mettrai après, c'est pas grave. Tax collector attendra. Faut que je garde juste une petite place, que je m'en souvienne. 160. 120. Ok. Voilà qui est fait pour les habitations. Donc après, la nourriture. Je vais tout de suite placer le grenier. Et ouais, ça rentre pas. Je vais voir si je peux pas le placer là. Ok. Alors, je vais placer un roadblock là-haut. Ok. Il va me falloir un work camp. Il va me falloir les bâtiments habituels. Police station. Et il va me falloir le physicien tout en haut. Peut-être qu'il va rentrer. Ah oui, mais... Ah si, je pense qu'il va rentrer. Non. Là, il peut aller là. Sauf que ça, je vais être obligé de le détruire. Je vais mettre ça là. Okay. Je suis obligé de le détruire parce qu'il me faut une route quand même qui va vers la zone humide. Alors, on va faire ça comme ça. Farm, chickpeas. Pour l'instant, 6 suffiront. C'est peut-être même un peu trop, mais... Je sais pas, dans l'immédiat, 6. On va se contenter de ça. Rhodes ici. Voilà, donc là j'ai tout a priori. On est serré comme des sardines. Alors, autre chose très importante qui va être même capitale, c'est les mines d'or. Alors, mines d'or. Faut que j'en case le maximum. Hein. Là, je peux en mettre que 2. Là, je peux en mettre 1. Je peux en mettre 3. J'ai peur que ça fasse trop de route. J'ai peur que ça fasse trop de route. Hein. Je sais pas. Ce que je peux faire, c'est... Alors, le palace, il faut que je regarde où je peux le mettre. Et c'est ça, hein, la limite est là. Bon, j'ai pas trop le choix. Remarque, ça fait pas tant de route que ça. Je pense que c'est supportable pour la police et tout ça. Ok. Physicien... D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de mettre des maisons là-bas. Je vais en mettre 2. Ok, avec 6 mines d'or, ça va nous permettre quand même d'avoir quelques revenus. Alors, ensuite...
On va peut-être pas commencer l'armée tout de suite, hein. Ça me paraît un peu tôt. Je vais regarder ce que je peux vendre. Non, d'ailleurs, je vais arrêter l'épisode. Je vous laisse la suite demain pour le prochain épisode.